Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre Let's Play sur Assassin's Creed Origins. Alors, on va continuer nos aventures. Continuer en fait la quête principale de ce DLC qui se passe donc dans la Haute Égypte. Il y a le roi des rois, quête principale, et une orpheline. Je sais pas la plus intéressante. Attends, non, c'est une quête annexe, ça. Non, quête principale, les deux quêtes principales. Quête annexe. Ça, c'est une quête annexe, donc quête principale. Voilà, on y va. On va continuer c'est la quête principale, c'est ce qui nous intéresse pour l'heure. Je sais pas trop où va nous mener ce DLC. Vous êtes déjà emmené dans les sacrés endroits. Donc on retourne ici, là, dans cette nécropole. Ah ok, c'est dans cette entrée couverte de poils. Regarde ça. Et dis-moi ce que tu vois. Je te vois. À l'endroit exact où je t'avais laissé. À examiner de vieux papyrus et à perdre au dé l'argent que tu n'as pas encore gagné. Le savoir n'est pas une source de sagesse, Bayek. Tu as sûrement entendu parler de Ramsès II, le grand pharaon, père d'une centaine d'enfants. Hein ? C'est lui, le pharaon parmi nous. Comment le sais-tu ? Ce papyrus en parle, mais c'est étrange, car cet objet a plus de 1000 ans. Un grand roi à l'âme fragmentée. Ça ne dit pas ce qu'il fait ici. Veut-il se venger ou accomplir une tâche inachevée? Peu importe ses raisons. Attends, Bayek. Je n'ai pas envie que tu te fasses tuer. Le nom du pharaon. L'ombre du pharaon. Un rite ancien. Tout est là. C'est fascinant. S'il est semblable aux autres, je sais ce qu'il faut faire. Je vais avoir besoin du parchemin. Bien sûr. Mais qu'en est-il de ma commission, Bayek? Tu pourrais décider de me le donner par bonté d'âme. À moins que tu l'aies déjà perdu sur un mauvais jet de dés, hein? Prends-le, c'est de bon cœur. Ah. Que Ré te protège, Bayek! Alors, Papyrus d'Osir Matré. Son shoot. À l'époque de Philopatrice, voilà celle qui aime son pays, un aigle réunira l'âme fragmentée de Ramsès, affrontera le grand qui marche, lui qui chevauche les royaumes, tient le vautour et le cobra dans sa poigne puissante, dans les ruines du règne d'un pharaon, de grands chants et hymnes entonnés en son nom. Le sang d'une mère, le cœur libre d'un pharaon, les rapportera et bannira le dieu à l'aide du rite de la fête Saïd. Ah, j'ai des quêtes à finir. Chier, faut que je termine deux autres missions, elles sont peut-être longues. Hein. C'est tout le temps ça, c'est terminer ça pour continuer, etc. Je sais plus trop où mettre les pieds, moi. Alors. C'est vrai, faut que je termine, que je sais pas de conneries. À commencer par l'ombre d'un pharaon. C'est des quêtes annexes, ça, non? Ah non, quête principale. C'est principale, là. Ok, ça, c'est une quête annexe. Elles sont peut-être courtes, hein. Trouver et vaincre l'ombre de Ramsès. Ok. Bah, c'est à Thèbes, sans jeu. Ah, c'est le machin qui spawn, là? Oh. Ah ouais, d'accord. La malédiction du pharaon se concentre sur la ville de Thèbes. Y'a pas un bateau là? Ils sont super loin au large là. Ah non, y'en a un là.
Alors, est-ce que le jeu est en mode facile? Il me semble que j'avais laissé dans le dernier épisode. J'ai pas remis de mode plus difficile. Et là, ça va nous être favorable. C'est pour combattre le bestiau, parce que sinon on va jamais y arriver. Comme il se barre tout le temps, ça m'énerve. Donc voilà, vous avez compris, hein, ce qu'il faut qu'on abatte, là, c'est le bestiau qui spawn à H24, là. On s'en débarrasse donc. Mais le problème, c'est que... C'est quoi, ça? 100 fois. Ouais, c'est juste un des gros bonhommes, mais c'est pas ça. C'est celui qui pop un peu dans tout le temps, là. Ouais, là c'est bien cultivé, là, dis donc. Il y a toutes les couleurs des champs, là. Bon bah, il n'y a plus qu'à chercher à ce que la bestiole pop, hein. On sait qu'il est sur Thèbes. Ou autour de Thèbes. Charmant comme ville, hein. J'ai un peu exploré. Là, je prends le temps, du coup. Dans le marché. Bon alors, il fait quoi le bestiau là? Il spawn ou quoi? Le pharaon fantôme là. Ouais, c'est animé ici, hein. Monstrueux, il marche, dénué de vie. Bon, c'est pas désagréable, hein, comme promenade, mais... Vous avouez que j'aurais aimé qu'il spawn là? Et visiblement, on nous envoie nous faire foutre en fait, hein. C'est dingue ça. Bon, écoutez, ça me saoule. Donc voilà. De toute façon, s'il repose dans un coin, on le fera. En attendant, faut bien que je m'occupe, hein. Parce que j'en ai marre là. C'est n'importe quoi. Là. Évidemment, c'est quand on en a besoin qu'il vient pas, quoi. Et voilà. Prévisible. Ah merde, il y en a ici. Il y a des trucs à récupérer là-bas, visiblement. Hey.
Oh, oh, tu vas où, toi? Il va mourir? Chien! Ça sert plus à rien. Il a appelé ses renforts, le petit con, là. Il me faut mon truc, là. Il est où? Merde, ils sont infects, hein. Oh! Meurs, quoi! Meurs, c'est pas possible! Oh! Meurs! Allez, deux pour le prix d'un. Ah! Il est là! Il est où? Ah non! Le temps que je la cours, ça va être fini. Non! Non! Hey! Quoi? Reste derrière moi. Je bourrine parce que là, faut vraiment que je m'en débarrasse. C'est pas possible, là. Je dois m'en débarrasser, là. C'est plus tenable, là. Allez. Enfin. Ouf. Je l'ai éliminé là. Je l'ai battu là. Il est mort. C'est pas celui-là? Je vous jure, hein, je vais devenir dingue. Bon, on revient sur l'autre et puis s'il y a une autre ombre de pharaon spawn, on ira la massacrer. Mauvais ça. Montre-toi. Allez. Ouais, faut qu'on rentre dans la méga forteresse là. D'être prudent par ici. Je vais t'étriper. Pourquoi j'arrive pas à le tuer? Mais...
Et on me dit Anubis. Faut que j'ai des gommes tous. Et puis là. C'est 100 fois là. Ouais, après. Ça, moi, c'est l'ombre. Je suis plus qui, hein, pas sûr. Le sang de Touya, sa mère bien-aimée. Ok. Maintenant, on va dégommer le machin là. Pour ça, je garde le mode facile là, c'est pour essayer de dégommer tous les machins rouges qui passent par là. Tous sans exception. J'aime pas le ton de ce cinéma là. Et foutez-moi la paix. Ils sont magnifiques leurs colonnes, hein. Putain, il me fait mal, le petit con. Je vois la cible. Ah, mais putain! Oh, vous avez... Faut chier à me lancer des flèches, là. Oh, oh putain! T'es où le lanceur de flèches, là? Si je te trouve, je te fais la peau. Voilà. Oh non, j'aurais dû le garder. Bon, ça va, je meurs pas, parce que là... Il est mort. Voilà. On s'est gueulé comme lui là. Même en mode facile, ils sont en train de me marave. Mon pharaon. Vite. Je suis en train de m'épuiser là. Juste que je retourne ma vie avant de pouvoir l'attaquer. Mais putain! Mais putain, je suis maudit! Mais c'est quoi cet endroit infect là? Mon chat. Un boss de moins. Wall fort, finalement, je suis en train de le faire à petit feu. J'ai limite leur tête pensante. De toute façon, elles respawnent pas quand elles sont mortes, donc c'est déjà bien. Il faut impérativement cette crapule. Oh, c'est beau le coucher de soleil. ça y est, on peut la battre là. Oh la vache, le gros machin qui est là, là, là. Allez, mange. Il y a moins que ce soit les qu'il faut dégommer. Hein. C'est Ramsès qu'il faut qu'on massacre de toute façon là. En train de s'attaquer à tous les pharaons du Moyen-Empire, tu sais. Ah,
m'acharne parce que là faut vraiment que je dégomme. Que je mette la misère. Toujours pas. C'était pas Ramsès que je viens de tuer là? Sérieux? Bon, on va quitter les lieux. Faut qu'on aille tout là-bas. Ah, y a aucun téléporteur possible, j'en ai fait aucun. Bon bah autant que j'enfonce mon cheval et qu'on y aille comme ça, hein. Pas le choix, puis si un pharaon spawn on ira le dégommer. Que je fasse quelques points aussi au passage parce que là je vais encore un point de téléportation et c'est un peu agaçant. Ouais, je me suis un peu j'ai un peu sprinté mais du coup je les ai pas tous fait les. C'est quand même assez fondamental de base hein, dans Assassin's Creed les points là, c'est les téléporteurs, c'est quand même pratique. Oh il sera bien vite quoi. Je repars dans la ville. J'essaie de bien suivre les chemins hein, pour voir aussi à quoi ressemble le pays quand on passe pas au travers de tout. Quand on prend vraiment de manière officielle, parce qu'on voit juste tout à fait différemment hein, selon si on suit les chemins ou si on va au travers comme ça, en plus, on n'a rien à foutre de ça. Faut faire les deux, je pense. Il y a voir aussi l'Égypte par les airs, bien sûr, par les eaux, hein, avec les bateaux. À cheval, à pied. Profite un peu de toutes les possibilités. Alors, à droite après. Je pensais pas que ce DLC là ça va être un aussi gros bordel là, mais bon, c'est comme ça. On fait du contenu en plus quoi. Ah 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 ah. Ouh. Ça, il y en a un autre encore hein. Mais les mêmes hein. Si c'est les mêmes. Bon bah. Non c'est pas les mêmes. Oh putain. Je suis en mode facile. Salutations à toi. Ah super, en mode facile je récupère toute ma vie, heureusement parce que sinon ce serait trop compliqué. Non, te disloque pas, reste là, que je te dégomme. Que je t'extermine. À moi. Prends ta place parmi les dieux, Ramsès. C'était lui? Oui. À moi. Grand bonheur. Hein, mais que... Oh, j'ai pas le temps pour vos fadaises là. Hein. Foutez-moi le con. Ou je te tape.
Fait nuit d'un coup là. Je pense qu'il y a un paquet de... Ouais, je vois des... plein de points d'exclamation. Il y aura un paquet de missions secondaires à faire là-dedans, qui nous occuperont, qui nous permettront en parallèle de faire aussi toutes les petites explorations. Oh, ok, il veut plus, il boude et il fait grève. Tant pis. Oh, je vais quand même finir la mission. L'heure, voilà. Une mission ici dans cette cabane. C'est quand même bien qu'ils aient rajouté Thèbes parce que c'est une ville importante hein, quand même l'Egypte. Ils ont rajouté deux régions qui sont quand même importantes. Ils sont un peu à l'écart de l'Egypte qu'on visite dans le jeu principal. Oh là là, c'est des gros forts de mort là. Tu parles d'un avant-poste, c'est un fort de niveau 2, c'est quand même pas mal. Oh, attends que j'y suis, hein. Je suis tous les maraves. Hors de mon chemin. Je pense que si je les tue tous, après, je serai débarrassé, non? On va voir. Attends. Ouais, ça va en mode facile, on arrive à les abattre. Il y a une formule toute faite. Ouais, elle fait mal là. Allez, je vais le marave là. Pour des trucs en plus. Hop, deux équipements au max. On avance. C'est quand même vachement long le jeu quand on y pense là, on est quand même dans les 120 épisodes. Hein. On a fait plus de 120 épisodes, hein. C'est vachement énorme. Hein. Bon, on finit ça et puis après on arrête parce qu'après on va être, ça va être trop long. Il fallait au moins aller à bout de ça. Merde. Non, pas le temps. On verra plus tard. Putain, on se croirait sur Mars. Magnifique. On remonte le Nil, hein, tranquillement. Par les terres. Un sommet là, faudrait que je me le fasse. Hop là. À le seul faire comme ça on pourra se téléporter facilement ici parce que. Même si après je compte faire un peu plus de trucs à pied, bon, c'est quand même pratique.
Ça monte, hein, niveau 53. Au niveau des aptitudes, je sais pas ce que ça donne. J'en ai deux, ouais, c'est pas énorme. Je pense qu'il faudra faire un choix sur la fin. J'aurais bien aimé avoir tout, mais je suis pas sûr que ce soit possible. Des soldats creusent ici. Il faut que je trouve les champs avant eux. Faire du repérage, c'est quand même pratique. Parfait pour la quête. Ramsès, bâti pour faire perdurer sa mémoire. Vais-je y trouver le secret de son tombeau? L'accès secret. On va remettre le mode normal, hein. Un peu plus normal. Oh putain, c'est encore un de ces bordels. Tout le monde est ennemi, donc c'est pour ça que j'y vais prudemment. Je peux me faire sa petite tête. Non, il est pas mort. Putain, il devient dingue. Dès que tu tires dessus, il te fout. Comme un chien, comme un chien. Je vais appeler des hommes. Non, tu n'appelles pas d'hommes. Qu'est-ce qu'il fait au partage? Je crois qu'on essaie un jour la difficulté pour cauchemar pour voir ce que ça donne, mais à mon avis ça va être vraiment l'horreur. Genre chaque ennemi ça va être un boss final quoi. On essaiera genre quelques minutes qu'après on le retirera tout de suite quoi. Voilà. Bon, c'est bien, on va s'arrêter là donc on pourra reprendre les quêtes, d'autres quêtes par la suite, le roi des rois, tout ça là. Là, on a réussi ces quêtes là, c'est très bien. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous dis à bientôt pour le prochain. Ciao!